Les séquences font partie intégrante de la musique électronique. On évoque souvent celle si typique de la Berlin School et son groupe phare Tangerine Dream, dirigé par Edgar Froese, où est passé aussi Klaus Schulze, Chris Frank et son célèbre Ratcheting, mais aussi Peter Boyman ou d'autres. Sans oublier l'école de Düsseldorf et ses groupes comme Can, Cluster, Neue et les mythiques Kraftwerk. Mais il y a déjà plusieurs siècles, les magnifiques rubans qui s'entrecroisent de Johann Sebastian Bach charmaient l'oreille bien avant le premier synthé. Toutefois, ce que j'appelle séquence ici se limite à une poignée de notes, de 3 à 16 en général, parfois 32 et au-delà plus rarement, telles qu'elles peuvent être répétées en boucle par une machine bien particulière, le séquenceur. C'est lui qui fixa dans sa loi telle d'origine analogique ses limites, qui peuvent aujourd'hui être dépassées, mais qui reste un cadre fixant le challenge à relever. Le ratcheting, les syncopes, les accentuations, le swing, les modulations synchronisées viendront avec le temps, les progrès techniques et l'ingéniosité de certains compositeurs. Pourquoi s'intéresser encore à des suites de notes d'une à quatre mesures quand la MAO permet d'orchestrer des dizaines de pistes MIDI et des milliers de notes à la fois? Justement parce que small is beautiful, parce que les contraintes sont un incroyable moteur de la créativité. Notre cerveau, qui n'est pas un paradoxe près, aime la liberté absolue, mais produit souvent ce qu'il a de meilleur quand il doit relever des défis, donc accepter des contraintes. Pour mieux s'en affranchir, ou pour s'en gaver jusqu'à une forme d'auto-hypnose, exploitée avec brio par la fameuse musique planante des 70s, qui était électronique, mais pas seulement, ou dans la contemporaine trance music, ou tout simplement dans certaines musiques africaines, étudiées pour provoquer de vraies trances. Mais nous avons un problème. Notre cerveau se lasse très vite et par nature sait éliminer les stimuli qui se répètent afin de se concentrer sur d'autres choses ou dormir tranquillement. C'est pour cela qu'on s'habitue au bruit d'un ventilateur, d'une aération, d'un moteur, pour peu qu'ils aient un rythme et une sonorité relativement stable. Notre cerveau agit de même pour les autres sens, comme les odeurs par exemple. Bref, tout ce qui est répétitif endort nos sens. Au mieux, nous finissons par ne plus y faire attention, au pire, cela nous lasse. Il en va bien entendu de même pour les séquences, et c'est là que ça coince, car la lassitude de l'auditeur est justement ce qu'on veut éviter, alors que le principe des séquences est la répétition. Comment vaincre cet engourdissement néfaste? Par le tempo, le rythme et les transformations timbrales. Je résume en général cela par cette formule, la Berlin School, c'est l'art du changement dans la répétition. Ce qui peut se dire aussi dans l'autre sens, comme la plupart des séquences d'ailleurs, qu'on peut jouer à l'endroit ou à l'envers, vieille technique qui nous vient de Bach et de la fonction forward-backward des séquenceurs. Le patch illustré du jour porte ainsi sur la question que tout compositeur de musique électronique se pose, ou devrait se poser. Comment rendre mes séquences intéressantes pour éviter que le cerveau de mes auditeurs ne se lasse trop vite? On sait que c'est possible. Écouter du Klaus Schulze, Bayreuth Return dans Timewind, ou le sublimissime Ludwig II von Bayern du WX. Mais quel est alors le secret, la magie qui opère ce retournement de la lassitude en addiction? Comme il est impossible d'étudier toutes les astuces en une fois, et pour rester pratique, ce qui est l'esprit du patch illustré, je vous propose à partir d'un schéma, comme d'habitude, de réfléchir à un point de départ, utilisant l'une des possibilités qui s'offrent à nous pour éviter la lassitude, les variations timbrales. Et toujours, selon la maquette du patch illustré, je vous propose d'étudier ce schéma sous Vici-Virac, pour passer ensuite à un exemple sur un véritable Eurorack. On y va. Nous voici sous Vici-Virac. Comme d'habitude, le schéma va s'afficher, et au gré de mes explications, des petites animations permettront de suivre où nous en sommes. Le but ici est d'expliquer ce schéma du jour, qui est donc Boosted Sequence, c'est-à-dire une séquence boostée, améliorée, comment rendre une séquence intéressante, tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, sachant que, bien évidemment, tout cela n'est que partiel, n'est qu'une façon de vous donner une idée, une envie d'aller plus loin, et en aucun cas de figer, bien évidemment, les choses. Donc commençons tout de suite. Sur ce schéma, nous avons un séquenceur. Séquenceur qui va être quantisé, etc., etc. Et puis, il alimente une séquence avec un VCO qui passe par un WAV folder, qu'on va déjà même descendre complètement, qui passe par un mixage, puis un filtre, pour l'instant nous allons l'ouvrir totalement, et enfin un ADSR, le tout piloté par la guette du séquenceur. Donc on lance. Voilà la séquence telle qu'elle est au départ. Pas très intéressante, et surtout, très vite lassante parce que rien ne change. Alors on pourrait déjà améliorer son son avec le folder, rajouter des harmoniques, on pourrait bien évidemment faire varier le réglage du folder, mais pour l'instant c'est pas sur le schéma, mais vous pouvez imaginer le faire bien évidemment. Et puis on va commencer à fermer le filtre, pour donner déjà un peu plus de caractéristiques au son. Et puis ce filtre est alimenté par un ADSR, mais pas directement. Ça, c'est la technique habituelle où on essaye d'avoir un ADSR dédié au filtre. Ici, dans ce schéma du jour, l'ADSR ne sert qu'au VCA, donc donner la forme finale du son. Pour ce qui est du filtre,
nous avons choisi directement de l'alimenter depuis un sample and hold. Donc pas d'ADSR, un sample and hold. Qui va ouvrir et fermer certaines notes au passage. Et comme, bien sûr, le sample and hold n'est pas prévisible, ce ne sont pas toujours les mêmes notes qui vont être mises en évidence, et c'est ce qui va donner une forme de rythme. Bien sûr, il y a des sweet spots à trouver, on n'est pas là pour chercher pendant des heures, je vous montre une technique avant tout. On peut monter un peu celui qui joue sur la résonance, et puis on suit le schéma et on s'aperçoit que ce schéma il est complété par d'autres choses, notamment par une deuxième ligne, c'est-à-dire un deuxième VCO qui joue en dessous, pour donner un peu de gras au son. Écoutons, nous allons le faire intervenir. La séquence devient plus épaisse, elle couvre un spectre plus large, donc elle devient un peu plus intéressante, et surtout elle occupe un peu plus d'espace, ce qui permet d'éviter de multiplier les séquences ou les choses pour donner de l'épaisseur à un son. Des fois, il vaut mieux une seule séquence très bien faite, qui a une grande range, et rajouter juste un solo ou quelque chose comme ça, plutôt que de se perdre dans les couches qu'on ajoute, jusqu'au point où en fait ça ne sert plus à rien. Et surtout, ça fait de la bouillie. Et puis enfin, troisième point qu'il y avait dans cette séquence, c'était l'ajout de bruit blanc. Rappelez-vous, c'est toujours très intéressant de rajouter un peu de bruit blanc, rose ou autre chose, mais du bruit blanc très souvent, dans une séquence, avant le filtre, pour lui donner une espèce de crachement qui lui donne un peu d'épaisseur. Là, je vais le pousser vraiment. Vous sentez ça? Donc on va le mettre un peu plus léger. Et nous voici avec cette séquence boostée qui, bien évidemment, ressemble assez peu à celle de départ en termes d'intérêt à l'oreille. J'ai un peu trafouillé tout ça en vous parlant, il n'y a pas de sweet spot ici, c'est pas grave, vous comprenez l'idée, ce qu'il faut, c'est comprendre bien sûr le schéma et ce que vous pouvez en faire. Bien entendu, ce schéma est partiel, il existe mille autres façons de pouvoir booster une séquence. On y reviendra dans quelques instants. Rappelez-vous de celui-là. Alors maintenant déjà, ce schéma, est-ce qu'on peut pas déjà, même sous Vici-Virac, en faire quelque chose d'un peu plus conséquent? Si, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voici une deuxième version améliorée de la séquence Vici-Virac. On est reparti sur la même idée, même séquence, même principe de séquence boostée, mais auquel on va rajouter 2-3 éléments pour la mettre en contexte, et voir que, effectivement, cet intérêt, une fois mis en contexte, donne quelque chose d'un peu plus intéressant qu'une séquence fixe. Donc là, on va très vite lancer la séquence. On se retrouve avec cette espèce de séquence boostée. Et puis on va lui ajouter en fait une petite touche déjà par quelques accords qui vont être joués par un autre séquenceur et par une autre ligne. Donc ici on aura le XFX Wave qui va jouer des accords qui vont être traités de deux façons différentes, une façon courte et une façon plus longue pour donner un peu plus de résonance. Et puis avec ici un grid de Mutable Instrument, on va rajouter quelques éléments de batterie. On ne va pas détailler ce patch-là, puisque ce n'est qu'une variante, mais c'est pour vous faire voir qu'on peut broder sur celui que je vous ai présenté précédemment et faire quelque chose d'intéressant. Donc, on a la séquence, on va rajouter des accords très secs. On va les couper. Voilà. Et on va rajouter les mêmes, mais jouer plus lentement, avec plus de mollesse et d'autres modulations. Et tout de suite, ça prend une autre forme. Et puis maintenant, pour agrémenter encore plus, on pourrait rajouter des éléments de percussion, de batterie. On pourrait bien évidemment faire des variations. Et ces variations pourraient être elles-mêmes pilotées par un séquenceur, mais ça c'est un autre débat. C'est la mise en valeur de cette séquence, comment on peut, à partir d'une séquence brute qui n'a pas beaucoup d'intérêt direct, en faire quelque chose qui a un peu de swing, qui a un peu d'élégance et qui va lasser beaucoup moins l'oreille de l'auditeur. Et puis maintenant, nous allons passer à la démo sur Eurorack pour faire voir les différences de son et les différences de ruse qu'on peut utiliser. C'est tout de suite. Avant de passer à la démo Eurorack, il me semble indispensable de préciser que le patch du jour est forcément réducteur. Il est là pour attirer votre attention sur tout ce qui peut rendre une séquence intéressante.
Un documentaire de 2 heures ne suffirait pas pour couvrir un tel sujet. Les techniques discutées aujourd'hui peuvent être complétées de nombreuses autres, comme le ratcheting, dont je vous parlerai certainement prochainement. J'aurais pu aussi vous présenter des techniques de morphing, utilisant des VCA pour varier les timbres, ou comment détourner un panneur pour faire varier dans le temps le mixage de plusieurs VCO. J'aurais pu jouer aussi sur la stéréo d'ailleurs, avec un son différent à gauche et à droite, ou bien avec des gates, comme je l'ai montré dans l'une de mes démos de ma revue du système 100M. J'aurais pu aborder les modulations complexes en mixant plusieurs sources pour obtenir des variations sophistiquées, sans oublier les effets dont le roi et le delay en matière de séquence, ou les reverbs en mode shimmer. Vous avez compris, le sujet est infini, car c'est de l'art même du design sonore sur synthé qu'il est question ici. En faire le tour en 20 minutes d'un patch illustré n'est pas concevable. Mais il y aura d'autres épisodes abordant d'autres techniques, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Passons maintenant à la démo sur Aura, qui complétera avec un son plus généreux et des astuces différentes la démo Visivirac. C'est parti, on se retrouve juste après pour la conclusion. Il est difficile de conclure aujourd'hui, car je n'ai fait que soulever une partie du voile. Comme je l'ai expliqué, l'art de la séquence ne se situe pas uniquement dans les variations timbrales. Il faut aussi donner un sens mélodique, une rythmique, et que la série de notes utilisées colle parfaitement à l'esprit du morceau dans sa totalité. Il faut d'ailleurs un morceau entier, on l'oublie parfois, en se noyant dans l'autosatisfaction d'une belle boucle qui tourne. La plus belle séquence ne fait pas l'œuvre, elle ne fait qu'y participer. Comment créer un morceau inoubliable? C'est de l'essence même de la musique que nous parlons ici. S'il y avait une recette, il est fort probable qu'une telle découverte signerait en même temps la mort de la musique. Profitons donc pour une fois de notre ignorance et du mystère sans cesse renouvelé qu'est la création artistique, la seule activité qui nous distingue vraiment des autres formes de vie. A bientôt pour un prochain patch illustré, à moins qu'il ne s'agisse d'un module du jour ou d'une autre de mes reviews, car beaucoup de choses sont programmées, alors abonnez-vous, mettez la petite cloche et restez au courant. Et à très bientôt.